Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième session en français de l'iConnect in Online 2021. Donc, je m'appelle Iba, je suis la responsable marketing de Smack Graphic et c'est moi qui vais animer cette session de webinaire. Donc, avec moi aujourd'hui, j'ai mon collègue Dario Demeo. Hello Dario. Bonjour à tous. Benoît Jour de chez Avril Denison. Bonjour Benoît. Bonjour. Teemu Anasoya de notre partenaire Voyantic. Hello Teemu. Hello everybody. Et Alexandre Montgrenier, CEO de WeGroup. Bonjour. Bonjour Alexandre. Alors, juste avant de commencer les premières présentations de cette session, je vais vous présenter l'agenda. Donc, tout d'abord, nous allons commencer par une brève présentation de la gamme icône de Smack Graphic. Ensuite, Benoît va nous présenter les nouvelles opportunités qui s'offrent aux imprimeurs d'étiquettes. Viendra ensuite la première démonstration en direct de cette session qui est la démo live de notre e-Connect C. Ensuite, Voyantic nous présentera le RAIN RFID, comment contrôler la qualité en termes d'encodage. Suivra ensuite la deuxième démonstration en direct qui est la démo de notre e-Connect E. Puis, nous allons découvrir plus sur WeGroup et comment ils utilisent la RFID et le NFC dans le secteur vitivinicole. Donc, vous pouvez nous poser toutes vos questions dans le live chat. Et si vous n'arrivez pas à utiliser le live chat, je vais vous mettre un petit numéro qui va s'afficher bientôt à l'écran et nous répondrons à toutes vos questions lors d'une session Q&A en direct. Alors, je passe la main à Dario. Dario, on est prêt pour la première présentation de la gamme Nikon. Merci Iba et merci à tous pour nous suivre dans cette session en français. Donc, nous allons commencer par une présentation de la société SMAG. SMAG, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une société française, une société qui a 40 ans d'histoire, qui a été donc fondée en 1980 et qui est localisée au sud de Paris. Nous avons une surface de production de 5 000 mètres carrés et nous employons 70 collaborateurs. Notre infrastructure, elle nous permet d'intégrer complètement et de façon totalement autonome toutes les étapes de la production. Donc la transformation des matières brutes, qui comprend l'usinage, la peinture, mais aussi l'assemblage, l'assemblage électrique, l'assemblage mécanique, l'assemblage électronique, la programmation électronique, et ce qui inclut bien entendu la recherche et développement et le service après-vente. Nous avons plus de 1 000 installations de par le monde et nous sommes, je pense, historiquement reconnus. Nous sommes à l'écoute des clients pour proposer des solutions vraiment uniques, des solutions qui sont toujours personnalisées et toujours innovantes. Notre mission, c'est donc de concevoir ces solutions innovantes en utilisant tous les procédés, en utilisant la modularité pour apporter de la valeur ajoutée, principalement aux étiquettes adhésives, mais aussi à l'RFID et au NFC. Et dans le secteur plus récemment de l'électronique imprimée. Nous sommes présents sur tous les secteurs de marché, le luxe, la cosmétique, le pharma, l'industrie, la chimie, l'industrie agroalimentaire et bien entendu l'emballage souple et les étiquettes connectées qui est le sujet de cette session de webinaire. Nos domaines d'expertise, ce sont les éléments de différenciation et de transformation. Il s'agit de la sérigraphie à plat, de la dorure à chaud, du gaufrage, de la flexographie, mais aussi de l'impression de données variables, donc la personnalisation, et la découpe à plat, la découpe rotative, semi-rotative, voire l'intégration de découpe laser. Nous apportons aussi des éléments de personnalisation comme le RFID et le NFC, tant par son insertion dans l'étiquette, sur le support, que par le contrôle de la qualité et l'encodage, donc le traitement de données. Et je dirais que notre spécialité, au final, c'est la conception de machines spéciales à la demande. Nous proposons donc plusieurs solutions d'impression, des solutions
en ligne en fonction des besoins, en fonction des matières, en fonction des encres. Elles sont composées, ces solutions, de la sérigraphie, de la flexographie, rotative et semi-rotative, de l'impression par jet d'encre et du marquage à chaud. Marquage à chaud pour la dorure à chaud, pour l'hologramme, mais aussi pour le gaufrage. Ces solutions d'impression sont complétées par des systèmes de séchage intégrés de façon indépendante sur chaque poste, qui laissent la possibilité de les interchanger ou de les combiner, c'est-à-dire de les additionner. Nous pouvons avoir des cassettes de séchage UV ou UV LED qui sont interchangeables avec des cassettes de séchage à air chaud ou à infrarouge. Et ces cassettes, bien entendu, peuvent être aussi combinées pour proposer des solutions UV plus infrarouge. Ces groupes proposent aussi des systèmes de contrôle de température de la bande, notamment par des plaques refroidissantes, ou des systèmes d'extraction d'air, donc pour maintenir le contrôle de la température de la bande. Nous avons aussi la possibilité d'intégrer des solutions plus particulières comme le NIR, le proche infrarouge, ou voire des solutions très spécifiques comme les UV photoniques, donc pour répondre à des applications toujours plus complexes, toujours plus innovantes. Nous avons aussi des solutions exclusives comme ce four de séchage dont la longueur de 9 mètres au total et la température pouvant atteindre 160 degrés permet le séchage d'encre très complexe, des encres par exemple à base de graphène. Il comporte aussi 4 zones indépendantes, ce qui permet de varier la puissance de séchage en fonction des besoins. Et puis, bien entendu, toujours pour compléter cette gamme de solutions en ligne, des éléments de façonnage et des éléments de finition qui permettent de limiter les travaux de reprise. Donc, il s'agit de pelliculage, il s'agit, et c'est le sujet de ce jour, d'insertion d'étiquettes RFID, de son encodage et de son contrôle. Donc, une solution totale autour de l'RFID et du NFC. Il s'agit aussi d'apporter de l'impression de données variables, donc de la personnalisation, voire de la sérialisation, et puis aussi d'apporter des solutions d'inspection en ligne pour le contrôle de la qualité. Mais aussi, c'est des solutions de finition, des finitions de découpe pour les courts, pour les moyens et pour les longs tirages. Et ce, sur tous les types de matières, les matières les plus difficiles où la découpe à plat est plus adaptée, par exemple, ou des matières plus traditionnelles comme l'étiquette adhésive où les découpes rotatives et semi-rotatives sont préférées. Mais aussi, c'est la possibilité d'intégrer des découpes laser pour les très courts tirages ou pour les applications spéciales. Donc la gamme Icon, c'est un ensemble de solutions, c'est une modularité, mais c'est une modularité qui s'exprime par la profondeur de la gamme. Cette profondeur de gamme, on la retrouve principalement dans la e-concept qui propose tout cet ensemble de solutions, donc selon les configurations, de la sérigraphie, de la dorure à chaud, du gaufrage, de la flexographie, mais aussi des solutions de façonnage, de découpe et de finition pour permettre à l'étiquette d'avoir une valeur ajoutée, d'avoir de la création, pour permettre son inspection, pour permettre son façonnage et sa finition et pour permettre bien entendu son identification. Mais la gamme Icon, c'est aussi un regard porté sur les marchés post-impression digitale avec une ligne de façonnage et de finition. Ici, la e-convert qui va reprendre les modules spécifiques à ses besoins, donc de la flexographie pour le vernis, de la découpe semi-rotative, la refente et toute une gamme de rembobineurs à simple double arbre, voire semi-automatique ou automatique.
et épaulée par une solution plus compacte, la iConvert Lite. C'est aussi dans la gamme Icon des systèmes d'inspection, donc des machines de contrôle avec la e-Control, avec des modules pouvant intégrer des caméras d'inspection 100%, des systèmes de refente et des rembobineurs au choix automatique, semi-automatique ou à simple double arbre. La e-Control propose elle aussi une version compacte, la e-Control Lite. La e-Contact, quant à elle, c'est une solution bien spécifique pour les impressions d'encre conductrice. Les encres conductrices pour le secteur de l'électronique imprimée, mais aussi pour les applications médicales. Elle se base sur une technologie de type Galaxy classique avec un transport de bande alternatif. Ce transport de bande alternatif évite tout contact des rouleaux, de la presse en général, avec la partie imprimée du support. Donc, ce qui évite les risques de griffure, les risques de contamination qui sont fondamentaux dans ces applications. À la e-Contact s'intègre parfaitement la solution du tunnel de séchage qui, je le rappelle, a une longueur de 9 mètres et qui, elle aussi, a un transport de bande alternatif sans contact avec la partie imprimée. Et puis, le sujet de ce webinaire, la connectivité avec la e-Connect, donc l'identification de l'étiquette, représenté par la iConnect C, le C pour le converting, donc pour la transformation, où l'on va procéder aux opérations d'insertion du tag RFID, et la iConnect E, E pour encodage, où vont être effectuées les opérations de traitement de données, contrôle qualité, transfert des informations dans la puce et contrôle des informations dans la puce. La iConnect, c'est trois niveaux. Le niveau iConnect C, où l'on va dérouler des étiquettes finies, insérer un RFID, assembler l'étiquette et enrouler, donc pour produire des étiquettes dites RFID. Le niveau 2, l'e-Connect C, où vient se greffer en quelque sorte un module de contrôle. Ce module de contrôle permet le contrôle qualité de la puce RFID. Il permet aussi le marquage des mauvais. Donc on va pouvoir produire des étiquettes RFID 100% encodables, donc 100% contrôlé. Et puis le troisième niveau, grâce à l'e-Connect E, permet de finaliser le procédé. On peut utiliser l'e-Connect E pour des opérations d'inspection, contrôle qualité de l'impression, contrôle du positionnement du RFID. On peut imprimer des données variables pour finaliser la personnalisation. Nous pouvons intégrer des lecteurs code-barre qui peuvent être utilisés pour récupérer des données qui seront ensuite transférés dans la puce RFID, et puis les systèmes voyantiques que nous allons voir en détail plus tard, pour le contrôle qualité aussi bien HF en haute fréquence que UHF en ultra haute fréquence, donc NFC et RFID. Ces antennes sont aussi disponibles pour l'encodage, donc pour l'écriture des puces HF et UHF. Cette troisième niveau va nous permettre de produire des étiquettes RFID 100% encodable et personnalisé. Mais la e-Connect, c'est aussi l'intégration totale au sein de la gamme Icon, où l'on va pouvoir combiner les capacités d'insertion de tags RFID et de contrôle et d'encodage de tags RFID au sein d'une configuration à plus haute productivité avec un dérouleur de bobine vierge 800 mm où l'on peut combiner un groupe d'impression flexographique par exemple, deux groupes d'impression flexographique, le module d'insertion donc avec son délame-relame et sa partie assemblage. Nous pouvons intégrer aussi des systèmes de pelliculage, d'encapsulage, une découpe semi-rotative donc pour transformer la bobine vierge en une bobine d'étiquette, avec un contrôle de qualité pour vérifier la qualité des puces insérées, et puis des modules de refente, donc pour refendre les étiquettes en multipose, et des systèmes de rembobinage qui peuvent être, comme ici, à double arbre. Donc la gamme Icon
C'est une solution profonde dans ces solutions, dans ces procédés proposés, et transversale, où l'on peut, depuis l'AI Concept, avoir une plateforme multiprocédée pour des travaux d'impression en sérigraphie, en dorure à chaud, en flexographie, mais aussi des lignes post-impression digitale pour le façonnage et la finition avec l'AI Convert, des systèmes d'inspection avec l'AI Control et des systèmes plus spécifiques pour l'impression d'octoconductrice avec l'AI Contact et bien entendu l'AI Connect pour l'identification. Mais SMAX est aussi récemment une collaboration étroite avec IDEL, un fabricant de machines flexographiques en ligne, un constructeur britannique avec plus de 75 ans d'expérience dans la fabrication de machines flexo, qui lui aussi a sa conception, son ingénierie, la fabrication complètement intégrée dans son usine, ce qui lui permet, grâce à son département de recherche et développement, de proposer des innovations avec des machines faciles d'utilisation, fiables, productives pour des marchés de l'étiquette, de l'emballage souple et du carton. Il propose des solutions personnalisées à partir de gammes standards jusqu'à la conception de machines sur mesure, telles que pour les boîtes pharmaceutiques, donc avec des découpes à plat, ou pour les tickets à gratter, donc avec des systèmes de séchage très particuliers. La gamme IDEL, c'est une gamme entièrement servomotorisée depuis la FL1 Prime dans sa lèse 350 mm pour des matières allant de 50 à 350 microns pour les marchés de l'étiquette et l'emballage, mais aussi la FL3 avec des lèses plus importantes, 430 et 510 pour des matières toujours plus fines de 12 microns, mais aussi toujours plus épaisse, jusqu'à 450 microns, toujours pour l'étiquette et l'emballage souple. Et puis finalement, les gammes FL5 et FL7, avec les systèmes de découpe à plat ou sortie planche, dans les lèses plus importantes 510, 570 et 650, et notamment pour travailler des matières allant jusqu'à 700 microns, donc pour l'emballage souple, mais surtout pour le carton. Le groupe d'impression proposé par IDEL, le groupe d'impression Uniprint, a une géométrie variable qui prévoit le déplacement de l'anilox et du cylindre d'impression pour recevoir le cylindre porte-cliché et garantir un angle toujours constant, et ce, quel que soit le format d'impression utilisé. IDEL, c'est aussi des systèmes d'automatisation des opérations, les systèmes R, qui réduisent au minimum la gâche grâce à la mise en pression automatique et de l'ancrage et de l'impression. Et c'est aussi, bien entendu, la mise en repérage automatique par caméra de contrôle. Donc un système qui va remplacer entièrement les mains et les yeux de l'opérateur. Et c'est ainsi qu'on va conclure la première présentation. Vous pouvez nous contacter, donc notre service commercial France, Jean-François Compion et Laurent Grémel, mais bien sûr, vous pouvez me contacter personnellement et Monsieur Ratto. Je repasse la main à Ibat et à Benoît pour la présentation suivante. Merci beaucoup, Dario, d'avoir présenté notre gamme Icon. Benoît, je vous passe la main et vous allez nous présenter les nouvelles opportunités pour les imprimeurs d'étiquettes. Merci Iba et merci à la SMAG pour l'opportunité de présenter ce jour. Donc je vais commencer par me présenter, Benoît Jourde. Je m'occupe du segment de la santé chez Avery Dennison pour l'Europe. Donc je pense que tout le monde est plus ou moins familier avec le groupe Avery Dennison. Nous sommes un des leaders mondiaux sur les complexes auto-adhésifs qui sont utilisés pour faire des étiquettes. La société a été créée à peu près un peu plus de 85 ans par Monsieur Sten Avery, qui a inventé la première étiquette auto-adhésive dans son garage. Nous sommes restés aussi pionniers au niveau de l'étiquette intelligente, puisqu'il y a à peu près une vingtaine d'années, nous avons investi pour la développer, notamment dans le monde de la mode. Pensez à des sociétés comme Zara. Et depuis quelques années, on s'intéresse un peu plus au côté industriel, avec des marchés comme celui de l'automobile et autres. Et c'est dans ce sens que nous avons investi l'année dernière pour faire l'acquisition du groupe Smartrack, qui fait maintenant partie de Avery Dennison.
Donc aujourd'hui, la RFID, notamment dans ces industries, est clairement une nouvelle opportunité pour les imprimeurs d'étiquettes. Et on va en parler un petit peu plus. Donc ce que l'on fait chez Avery Dennison, c'est que l'on fabrique ce qu'on appelle des tags, des inlay, qui sont des technologies digitales, on parle de inlay RFID, qui permettent entre autres, et on verra qu'il y a beaucoup plus de choses, de vérifier l'authenticité du produit à tout moment de son cycle de vie et d'en maîtriser la gestion du stock, l'inventaire. Et ça a été, si vous voulez, le premier use case des étiquettes RFID, c'est clairement supply chain transparency, avoir une vision claire sur les inventaires et sur la gestion des stocks. Donc, Avery Dennison, on est impliqué quelque part dans le digital depuis relativement longtemps, puisqu'initialement, on était plus connu en étant un fournisseur de complexes auto-adhésifs pour l'impression des codes barres, des codes QR. Et comme je le disais, depuis une vingtaine d'années, on est dans le domaine de l'RFID, ce qu'on appelle le RAIN, UHF RFID, donc c'est-à-dire des tags qui puissent être lus à distance, on parle de plusieurs mètres, ce qui est typiquement utilisé pour la logistique, mais également dans le HF NFC. Le NFC, c'est la Near Field Communication, quelque chose que tous aujourd'hui sommes forcés à avoir utilisé à cause de cette pandémie. Pensez au paiement sans contact avec votre carte de crédit ou simplement avec votre téléphone, hein, c'est le Near Field Communication. Et cette technologie, elle peut exister sous la forme d'une étiquette et permet le contact avec le consommateur. Mais on prépare également le futur. Le futur, c'est tout ce qu'on appelle l'électronique imprimée et même les passifs Bluetooth, c'est-à-dire des puces qui sont capables de faire de la mesure, par exemple de température, mais sans batterie. Parce que ces puces ont la capacité de capturer les ondes environnantes, les radiofréquences environnantes, de les stocker et de les réutiliser à bon escient. En fin de compte, ils sont capables de récupérer de l'énergie pour aller mesurer la température et ensuite garder l'information en stockage. Donc là, nous avons fait des investissements dans différentes startups et on va développer dans ces prochaines années, mais on parle d'un horizon 3 à 5 ans, ce genre de technologies qui sont vraiment l'étape d'après pour les plateformes RFID. Pour s'intéresser à maintenant, hein, le groupe a mis des ressources, mes homologues, moi pour le côté santé, hein, j'ai des collègues partout dans le monde, mais j'ai des collègues qui sont orientés sur le côté automobile, d'autres sur l'alimentaire et d'autres sur la logistique. Donc ça, ce sont les principaux segments de marché sur lesquels on a des ressources, mais on a bien entendu des applications qui sont également en dehors. Donc c'est là qui a besoin de rendre les étiquettes déjà utilisées intelligentes. Et c'est là que les imprimeurs, en ayant les capacités, hein, vous l'avez entendu de la part de Dario, sur quel genre de process vous avez besoin pour rendre ces étiquettes intelligentes. Mais on est là déjà pour vous aider sur le choix des bons tags inlay pour ces différents use cases qui ont des exigences différentes. Donc la digitalisation, bah, elle s'est accélérée et là, si vous voulez, en l'espace d'une année, on a eu une accélération qui correspond à 5 ans normaux. La première chose, c'est l'omnichannel. Il y a un besoin impératif pour tous de pouvoir vendre à travers différents circuits de distribution, notamment pour aller jusqu'aux consommateurs. Et ça veut dire qu'un nouveau mode de distribution, on parle du dernier kilomètre, c'est-à-dire d'aller non plus simplement au magasin, mais du magasin au particulier. Et tout ça, il faut le faire en sécurité. En sécurité pour les gens qui travaillent dans ce B2B, mais également en sécurité pour le client final, avec les technologies sans contact dont on vient de parler, notamment le NFC, et avec la digitalisation qui réduit le papier, qui réduit les contacts. L'expérience consommateur, elle est de plus en plus importante parce que c'est un moyen de le fidéliser. C'est un moyen d'être connecté avec lui, de savoir ses attentes, de mieux les comprendre, mais également de le récompenser, hein, de telle façon à ce qu'il ait un système pour recommander automatiquement. Il peut toujours faire ça à travers du NFC, mais également qu'il puisse avoir des incentives, des coupons de réduction, puisque vous avez le contact, donc de le garder. Au final, au niveau de la logistique, c'est le but du RFID, c'est d'avoir une transparence et d'automatiser, d'avoir des process qui sont plus faciles, plus simples, avec moins risque d'erreur. Je voudrais juste ajouter également que depuis hier, le groupe Avery Dennison s'est lancé
dans le software. Et on a lancé une nouvelle plateforme qui s'appelle Atma au niveau monde hier, qui nous permet de faire du big data, de la gestion des données, puisque chaque tag a une identité physique, mais comme il est unique, on peut lui associer une identité digitale dans le cloud. Et maintenant, avec notre solution Atma, on peut faire la gestion de cette identité digitale, quel que soit le segment de marché. Les tendances marché, en recommençant sur les segments principaux sur lesquels on s'oriente. Bien entendu, je suis plus familier avec le premier, la santé, et qu'est-ce qui se passe? Bon, la gestion stock, c'est, si vous voulez, le ticket d'entrée. Hein. Par contre, ce qui est de plus en plus intéressant, c'est de pouvoir augmenter la sécurité pour le patient. Donc, la première chose, pensez à l'application suivante, les auto-injecteurs. Il y en a de plus en plus parce que c'est un moyen pour le patient de garder une vie normale. Il n'a pas besoin d'aller voir un professionnel de santé tous les jours et notamment dans les conditions actuelles de la pandémie, de prendre des risques en allant à l'hôpital. Donc, cet auto-injecteur, il peut également être connecté. Vous allez rajouter, le fabricant va rajouter une antenne NFC à l'intérieur qui est invisible. Et ensuite, il va falloir mettre une cartouche, hein, puisque chaque jour, vous avez votre dose, votre injection. Vous allez mettre une petite cartouche en verre qui a une étiquette classique dessus, hein, parce qu'il y a un besoin de tracking. Mais cette étiquette, elle peut être rendue intelligente avec une puce HF NFC. Et qu'est-ce qui va se passer ? La cartouche, tout de suite, va pouvoir parler avec l'auto-injecteur, va pouvoir vérifier est-ce que c'est bien un produit authentique, est-ce que c'est pas une contrefaçon, est-ce qu'ensuite, il n'y a pas de souci par rapport à la date de péremption, parce que c'est bien d'avoir le produit, mais il faut s'assurer qu'il est toujours, qu'on peut toujours l'utiliser. Et les dates de péremption, si vous voulez, même dans le monde pharma, c'est des choses qui sont un peu critiques, et il y a beaucoup d'erreurs liées à ça. Donc ça, c'est un moyen tout simple pour augmenter la sécurité du patient, et en plus derrière, si vous avez votre téléphone et que vous allez, on appelle ça taper, toucher l'auto-injecteur, vous pouvez avoir la communication avec le patient et l'aider à s'assurer qu'il le prend correctement la posologie, qu'il utilise correctement l'outil. Donc, vous allez augmenter ce qu'on appelle patient compliance. Donc, c'est un des gros soucis de cette industrie, hein, puisque 50% des patients qui ont une maladie chronique ne prennent pas leurs médicaments au bon moment, dans la bonne quantité. Donc, bien entendu, il y a une protection de la marque derrière. Hein, c'est peut-être encore plus important par rapport aux grands groupes avec tout ce qu'il y a comme contrefaçon qui vient d'Asie. Donc, notamment si vous achetez aussi sur le online, sur le net. Et puis, pour finir, hein, ça c'est partout, c'est l'efficacité opérationnelle qu'on va retrouver dans le segment suivant, l'automobile. Hein, il y a toujours besoin d'augmenter l'efficacité opérationnelle. Mais là également, le côté sécurité, puisqu'il faut s'assurer que les pièces qui sont dans la voiture sont des pièces d'origine. Et lorsqu'il y a ce qu'on appelle des recalls, des rappels avec du RFID, il y a un rappel très ciblé, parce que vous savez précisément où sont parties les pièces. Et toutes les pièces qui sont arrivées chez vous taguées, vous avez un suivi complet, vous avez cette transparence sur la supply chain. Donc l'automobile, et on verra tout à l'heure un autre exemple, est aujourd'hui un des marchés phares pour l'adoption du RFID. On va suivre avec l'alimentaire. Là, c'est pareil, il y a une donnée sécurité, mais de temps en temps, la donnée sécurité, c'est par rapport à la traçabilité des ingrédients, hein, notamment si vous avez des produits bio, pour être certain que dans toute la chaîne de valeur, vous avez des traces et de la confirmation de cette origine. Donc, c'est lié également avec un besoin de faire quelque chose par rapport à la planète, par rapport au développement durable. Il y a plus de 30% des produits alimentaires frais qui sont gaspillés. Et si vous utilisez du RFID, encore une fois, en plus de la gestion du stock, vous avez la gestion des dates de péremption. Donc, vous avez un moyen pour vous assurer que les produits qui sont en stock, il ne faut pas qu'ils soient oubliés, qu'ils soient amenés devant le consommateur avant que ça soit trop tard. Et juste grâce à ça, vous pouvez également faire du bien à la planète et réduire le waste. L'expérience consommateur, c'est la même chose. Hein. Des moyens de le fidéliser en lui donnant des informations, des recettes de cuisine et je ne sais. Donc, c'est pareil avec du NFC, vous pouvez faire ça. Et vous pouvez combiner, bien entendu, hein, le NFC pour l'interaction du consommateur avec l'UHF pour la gestion de la supply chain. Pour revenir à la logistique, bon, on en a parlé déjà beaucoup de l'omnichannel, mais je veux insister sur l'histoire de la palette à l'unité. Vous pouvez faire de l'agrégation. Des fois, en fonction des milieux, si vous avez une
palette avec plus de 1000 objets dessus, il sera peut-être difficile d'aller lire chacun des objets qui a déjà un tag. Donc, c'est là qu'il faut penser à une stratégie d'agrégation et d'utiliser la bonne technologie NFC, UHF en fonction de ce que vous voulez faire. Et je crois que tout à l'heure, on aura un exemple de ce qui se fait bien aussi dans le vinicole par rapport à ce type d'agrégation. Bon, l'automatisation de la logistique, c'est des choses qui sont de plus en plus courantes avec encore une fois l'efficacité sur la distribution. Donc, on va passer un petit récapitulatif si on regarde sur cette logistique, en regardant les différentes étapes. La première chose, fournisseur. Hein, donc, on va faire venir et on va gérer automatiquement à l'entrée sans avoir besoin d'hommes, on a juste besoin de portique. Tout ce qui rentre, ça est déjà tagué, on parle ça native tagging. Donc, les objets sont déjà tagués à la réception. C'est automatique, on sait ce qu'on a en stock. Ensuite, on peut servir du RFID pour le suivi de la fabrication, la gestion des actifs, le suivi des pièces. Et après, l'expédition, c'est pareil, c'est automatisé. Et vous savez automatiquement ce qui va sortir puisque vous passez sous un portique. Et ensuite, vous pouvez aller plus loin au niveau du suivi du produit fini, hein, comme par exemple, à un moment, repasser un véhicule sous un portique et vous assurer, pour des problèmes de garantie, que toutes les pièces qui sont à l'intérieur sont bien des pièces d'origine, c'est-à-dire elles sont toutes taguées pour les pièces sécuritaires avec un tag UHF, par exemple. Donc, les inlays. J'en ai déjà parlé en intro, on parle d'inlay UHF, ultra haute fréquence. On parle ensuite d'inlay HF, high fréquence, et c'est là que vous trouverez la sous-famille du NFC, du Near Field Communication. Mais on a aussi des tags pour le sensing, des tags passifs, c'est-à-dire qu'ils sont juste capables, au moment où vous l'interrogez, de regarder la température ou l'humidité, et des tags actifs, ils ont une batterie, donc c'est-à-dire qu'ils vont mesurer et ils vont stocker. Donc, on parle beaucoup de la chaîne du froid avec les vaccins. Vaccins Pfizer pour extrême température, moins 80, ou les vaccins un peu plus classiques comme celui de Janssen, où on est à plus 8. Il est impératif d'avoir une gestion et d'avoir un visuel sur l'historique de température durant le transport et donc des tags actifs RFID sont également utilisés pour ceci. Donc, vous pouvez trouver tout ça sur notre site internet. Hein. Il y a un astucieux système de filtre. Vous rentrez quelques informations, votre segment de marché, vous rentrez le type de technologie de fréquence et après, vous avez une liste de produits à titre d'exemple. Mais bon, n'hésitez pas à revenir vers nous hein, pour un peu plus de conseils. Maintenant, des exemples concrets de ce que nous faisons dans différents secteurs d'activité. Pour revenir sur l'automobile, bon, il y avait le cas classique de la gestion des pièces, mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a un process de qualité. Une fois que la voiture est montée, avant qu'elle parte en distribution, elle doit résister à un test d'eau. C'est de l'eau sous haute pression pour vérifier que le véhicule est étanche. Donc là, il y a des tags passifs qui sont des tags qui vont mesurer le niveau d'humidité et qui permet, si vous voulez, d'avoir un contrôle à 100% et d'éviter des retours puisque certaines voitures peuvent passer avec des problèmes d'humidité qui peuvent avoir des conséquences pas simplement de confort, mais également de sécurité. Donc, c'est un système maintenant qui est implémenté et qui permet juste de passer sous un portique avec la pression des DG. Et puis derrière, tout de suite, vous savez s'il y a un problème d'humidité ou pas. Au niveau de la santé, quelque chose de très intéressant et d'actualité, le Covid. Pensez à des tests. Donc, un kit qui est envoyé par un professionnel de santé directement au domicile du patient. Il y a un tag NFC qui est incorporé. Donc, le patient avec son téléphone va vérifier déjà l'authenticité du kit. Et ensuite, ça va l'emmener dans un environnement, une application qui est protégée. Dans cet environnement, si le test s'avère positif, il va pouvoir renseigner quelques informations qui sont protégées grâce à la blockchain. On le fait avec un partenaire qui est une société qui s'appelle Suku, qui a développé des solutions de blockchain pour protéger les données. Mais une fois que le patient
est positif et a besoin de soutien, il peut rentrer les informations, ça va arriver à un professionnel de santé qui va pouvoir le conseiller, le ramener de l'hôpital le plus proche, et également c'est utilisé à des fins de statistiques. Donc l'organisation de santé va pouvoir voir si dans une région particulière, là où le téléphone était utilisé, on s'aperçoit que on a une augmentation de résultats positifs. Ça veut dire que dans cet endroit-là, il se passe quelque chose et on peut prendre d'autres mesures à plus grande échelle au niveau sanitaire. Donc, c'est quelque chose qu'on a mis en place sur le marché américain. On n'a pas eu le temps encore de l'amener sur l'Europe. Maintenant, pour parler un petit peu de logistique et transport, un exemple dans le domaine de l'alimentaire, avec quelque chose qui est assez populaire et qui se trouve dans plein de marchés, ce sont les unités de transport réutilisables. Donc, Reynolds, un distributeur sur le marché anglais de produits frais, utilisait jusqu'à présent des cartons. Donc chaque jour, j'ai dit bien chaque jour, il y avait 60 000 cartons qui avaient un usage unique et qui se retrouvaient à être jetés par les clients de Reynolds, qui sont des magasins, des primeurs. Donc la situation n'était plus tenable non plus au niveau du développement durable. Donc ils ont décidé de passer sur des bacs plastiques à usage multiple. Donc ces bacs, ils sont tellement bien que personne ne veut les redonner. C'est-à-dire qu'au bout de la première année, Reynolds s'est retrouvé avec une ardoise de plus de 200 000 euros de bacs qu'il fallait qu'il rachète parce qu'il ne revenait pas. Donc l'idée, ça a été de rajouter un tag RFID sur ces bacs. Un tag RFID qui résiste sans aucun souci au lavage, mais notamment maintenant, ils savent précisément où sont leurs bacs. Est-ce qu'ils sont chez eux ou est-ce qu'ils sont chez le client? Et quel est le client? Et de ce fait, vous pouvez imaginer que maintenant, ils perdent plus pratiquement de bacs. Et le retour sur investissement a été fait sous moins d'un an, même sous 6 mois. Alors, c'est un cas un peu particulier, mais on a beaucoup d'exemples où le retour sur investissement s'est fait en moins d'une année. Et vous voyez un petit peu les autres bénéfices qu'ils ont eus également. Il n'y a plus besoin de main-d'œuvre à monter ces cartons. Et ça, avec le volume de carton, c'est une économie et vous pouvez avoir les opérateurs qui font d'autres valeurs avec un peu plus de valeur ajoutée. Voilà, donc ça, cet exemple, on le trouve dans beaucoup d'industries et encore une fois, dans le monde de la santé aussi, ça se trouve, avec les distributeurs répartiteurs, ils utilisent ce genre de caisse et certains regardent de près le RFID. Pour finir, pourquoi travailler avec Everdenison? C'est notre légitimité par rapport à l'expérience que nous avons. Ça fait plus de 20 ans que nous sommes dans l'RFID. Nous avons démarré le RFID dans notamment le marché de la mode. On a une énorme expérience terrain. On a des capacités R&D sur tous les continents, notamment bien entendu en Europe. On a un portefeuille produit assez large, notamment grâce à l'acquisition de SmartTrack pour les technologies HF NFC. Le réseau de distribution que vous connaissez et qu'on utilise déjà pour la distribution des complexes auto-adhésifs. Et on a bien entendu des standards de qualité très élevés. C'est ce qu'on appelle le standard ARC, qui est le niveau le plus élevé par rapport aux tests de qualité sur des tags RFID. Et on fabrique également en Europe, on fabrique sur tous les continents, mais également en Europe. Et on a une capacité de plus de 12 milliards de tags. Donc on peut supporter toutes vos opportunités sans aucun souci. Pour finir, nous avons sur tous les continents ce qu'on appelle le iLab. Pour l'Europe, c'est au siège social aux Pays-Bas, près d'Amsterdam. Donc, c'est une partie du bâtiment du siège social que l'on a adapté pour en faire un centre d'expérience. C'est-à-dire que si vous venez ici et on vous invite, bien entendu, en espérant que la situation puisse s'améliorer, que vous puissiez voyager, mais vous pourrez voir des use cases où on a des antennes, on a des portiques pour répliquer ce que l'on fait dans le monde de l'alimentaire, de la pharma, de l'automobile, de la mode. Donc si vous voulez, c'est un petit centre d'expérience et vous pouvez également amener vos clients. On sera content de vous accueillir. Voilà, j'ai fini. Je vous repasse la main. Merci. Merci beaucoup, Benoît, pour cette présentation. Maintenant, nous allons retrouver Dario dans notre showroom. Rebonjour, Dario. Rebonjour, Iba, et merci, Benoît. Donc, bienvenue dans notre showroom ici chez SMAG, où nous allons procéder avec la première démonstration de ce webinaire. Nous commençons avec la eConnect C, une solution compacte
environ 3 mètres de longueur pour moins d'un mètre cinquante de largeur, donc une machine qui s'intègre facilement et parfaitement dans tout atelier, qui est dédiée à la transformation RFID. La transformation RFID, c'est l'insertion RFID. Donc, elle peut insérer un tag sous une étiquette, mais ce n'est pas tout. Elle peut aussi insérer une étiquette sur une autre étiquette, ce qui permet de créer une étiquette coupon à deux volets. Elle peut aussi insérer une étiquette à côté d'une autre étiquette, et ce, d'une matière ou d'une forme différente, comme c'est le cas dans les applications viticoles pour les étiquettes de colle de bouteille et de corps de bouteille. La e-Connect C est disponible en 3 lèzes, 180, 200 et 250 mm pour cette version hors ligne compacte. Et comme nous l'avons vu, la e-Connect, c'est aussi la possibilité de l'intégrer dans les modules de la gamme Icon. Donc là, nous pouvons voir une e-Control, donc une icône dédiée à l'inspection avec un dérouleur 800 mm, un module d'inspection avec son enrouleur de déchets, un système de refonte avec la cassette à lame et rasoir, et puis un enrouleur à double broche. Donc là, e-Connect avec ses modules d'insertion peut parfaitement trouver sa place au sein de la gamme Icon en intégrant tout type de modules, donc comme des modules de contrôle, mais aussi des modules de flexographie et de découpe. La e-Connect C donc, est équipée d'un dérouleur de diamètre 450 mm qui déroule des étiquettes finies, c'est-à-dire découpées et échenillées. Elle comporte une cellule de lecture de l'échenillage qui va envoyer un signal au système d'insertion. Elle est équipée d'une table de raccord pour le changement de bobine, d'un rouleau d'appel en entrée pour le contrôle de tension de bande avant la délamination, d'un guide-bande de type ultrasonique pour les matières transparentes, et d'un système de délamination, de délaminage, au moyen d'une lame. Cette lame va retirer la glassine de l'étiquette. Et cette glassine, nous la retrouvons ici, qui va retourner en arrière pour contourner le module d'insertion et se retrouver en dessous. Elle se retrouve en dessous pour recevoir le tag RFID. Ce passage papier particulier permet d'utiliser la même glassine originale au lieu de la retirer et de devoir la remplacer par une nouvelle glassine. La glassine pourrait d'ailleurs comporter des éléments de différenciation qui peuvent être des marques de repérage ou des numéros de série ou des encoches, donc qui sont nécessaires d'être récupérés et repositionnés en repérage avec les étiquettes. Donc, nous reviendrons un peu plus tard sur le groupe d'insertion et nous allons nous concentrer sur le groupe d'assemblage. Donc, une fois que cette glassine a reçu le tag RFID, elle va retourner à l'endroit exact où elle a été délaminée. Donc, on va revenir relaminer la glassine exactement au même endroit où s'est opéré le délaminage. Vous avez aussi un rouleau excentrique qui permet de régler le repérage de la glassine par rapport à l'étiquette frontale. Et pour le relaminage, nous avons un rouleau anti-adhésif avec un rouleau presseur à basse densité, la basse densité pour ne pas endommager la puce RFID.
La section d'assemblage est équipée d'un miroir pour pouvoir vérifier la présence et la position de la puce RFID sous l'étiquette. Nous avons un rouleau d'appel en sortie, donc qui permet de contrôler la tension de bande après la relamination. Et après ces opérations assez simples, nous pouvons rembobiner les étiquettes complètes de puces RFID. Il est possible aussi de rembobiner sur l'axe inférieur, ce qui permet d'avoir un passage de bande moins stressant dans le cadre d'utilisation de tags RFID dont la dimension ou la forme le nécessiterait. Maintenant, revenons à la partie insertion. Le groupe prévoit la série 500 de Herma, qui permet d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 150 mètres/minute, et ce avec une très grande précision. Il est disponible en lèse 160 et 240 mm. Le dérouleur a une capacité de 400 mm. Il est équipé de deux cellules, une pour la détection de casse-papier et une pour la détection de fin de bobine. Nous avons un rouleau danseur et un bac à boucle, un accumulateur, donc qui permet de synchroniser le déroulement des tags RFID avec le défilement de la bande. Le groupe d'insertion est aussi équipé de deux capteurs. Un capteur tactile et un capteur d'épaisseur qui vont aller vérifier la présence du tag RFID avant l'insertion. Nous avons aussi une cellule qui va vérifier la dépose effective du tag RFID. Cette cellule doit détecter un tag à chaque impulsion reçue depuis la cellule du dérouleur. Donc, pour que chaque étiquette détectée en entrée reçoive un tag RFID. Bien sûr, le groupe d'insertion peut être réglé dans la lèse, mais il peut être aussi ajusté dans son angle de dépose pour travailler des tags RFID avec des formes ou des dimensions particulières. Le groupe d'insertion est aussi équipé d'un guide-bande qui va maintenir la glacine en position pendant la dépose jusqu'à la phase de relaminage. Donc, chaque étiquette détecté va recevoir une puce RFID, et ce grâce à la synchronisation du groupe d'insertion et notamment de son encodeur qui va aller lire la vitesse de défilement de la bande en temps réel. Nous avons aussi une cellule à contraste qui peut lire une marque imprimée sur la glacis ou une encoche, un trou, et donc d'effectuer une dépose de tag RFID en repérage avec la glacine. Donc maintenant, voyons un peu de dépose RFID à plus haute vitesse.
L'iConnect-C peut aussi être implémenté avec des équipements pour la personnalisation, comme l'impression à jet d'encre pour les données variables, pour les codes barres, mais aussi pour les codes data matrix qui peuvent être ensuite lus par des systèmes de scanner pour encoder, récupérer les données dans un premier temps et encoder les puces RFID. L'iConnect-C peut être équipé aussi du système d'assurance, c'est-à-dire un système de contrôle qualité de la puce RFID qui a été insérée. Elle peut être équipée aussi d'un groupe d'inspection de contrôle avec un buffer et notamment avec aussi un système de marquage. L'iConnect-C peut aussi avoir un système de refente avec un enrouleur à deux armes. Donc, elle offre une vaste gamme de solutions. L'iConnect-C, c'est un équipement compact qui permet d'entrer dans le marché du RFID de façon simple, de façon efficace et de façon productive. Donc, je repasse la main à Iba et nous nous retrouverons tout de suite après la présentation suivante pour la deuxième démonstration. Merci beaucoup, Dario, pour cette démo live de notre iConnect-C et on se retrouve dans quelques minutes pour la démonstration de la iConnect-E cette fois-ci. Donc, je vous présente Temu. Temu vient de chez notre partenaire Voyantic. Donc, comme il ne parle pas français, nous avons préenregistré une présentation que nous avons sous-titrée en français et il sera là avec nous durant la session questions-réponses pour répondre à toutes vos éventuelles questions. Thank you, Ibad. Et c'est parti pour la présentation de Voyantic. Ladies and gentlemen, I am Teemu Ainasoja from Voyantic company. Voyantic is an RFID expert company specializing in RFID and NFC testing and encoding systems, from tag design to manufacturing and to project implementations. In my presentation, I will discuss about RAIN RFID and NFC technologies.
about quality and quality testing in smart label manufacturing, and about encoding RFID and NFC data. RAIN RFID, which is also known as UHF RFID or EPC RFID, and often called just as RFID, and NFC, near field communication, are both wireless technologies that can be used in identifying objects and communicating with objects. There are a lot of similarities. Line of sight is not needed. They can be made as labels, cards, or they can be embedded to items or made in other formats. Both are batteryless radios with small IC, also called as chip, and antenna, which is usually the visible part of the DAC. But there are also some differences. The frequency they use is different, which in practice means that reading devices are different pieces of hardware. NFC DACs are read with smartphones, travel gates, payment terminals, hotel door locks, and so on. RAIN RFID DACs are read with professional-grade mobile readers, gate readers at distribution center docking stations, belt side readers at factories, various fixed readers in ceilings, on the floor, or embedded to equipment, and so on. RAIN RFID is mostly used in applications related to inventory management. Not always, but this is the most common use. It is used for identifying and counting large numbers of items quickly. Typically, these tags are read from 1 to 5 meter distance, although individual labels can be read from much longer distances. NFC is typically used in applications where one tag is read at a time, and the tag's information is then used to initiate an action, such as open door, enter to metro, open web browser in a smartphone, pay the payment, and so on. In this video, there is an example of RAIN RFID use. The reader is a professional-grade mobile device. This example is from a retail store. The inventory count is made quickly without need to handle the items. Items can be found easily. And incoming goods can be recorded without opening the transportation box. It is mostly about efficiency, although it is also about improving the customer service. Another video is about NFC and how it is used in marketing. A coffee shop customer can tap the tag with smartphone and open a video. At the same time, the marketer can collect information about the customer, same way as the customer information is collected from websites. When printed advertisement decreases, NFC is a new possibility for brands to engage with customers. By the way, these slides will be available as PDF afterwards. There are some links to further reading materials, such as this link to Voyantic blog article about how label manufacturers can benefit from the NFC marketing opportunities. Now, let's move on to the quality testing in smart label manufacturing. These principles apply to both RAIN RFID and to NFC. The manufacturing process starts with IC manufacturing and antenna manufacturing. Then the IC is attached to the antenna in the IC attach process. Next, in converting, additional material is placed on inlay and the inlays are cut to form individual labels and otherwise made physically to final format. Next step is personalization. In this step, data is added to the labels. Data can be encoded, programmed, written to the IC, or it can be printed on the label. Also, final quality testing is made at this stage. Personalization and especially the encoding and final quality testing are the focus of the rest of this presentation. Final step in the process is tagging, where the label is taken to use. It is attached to an item. Think about the manufacturing process. There are a number of steps. And as is normal for any mass manufacturing,
those steps are not repeated exactly the same way. Changes may be small, but when we get to the tiniest details, there is variation in each step. A bit or more less material, a bit different angle or position, a bit different temperature, and so on. A speciality of RFID and NFC is that any tiny mechanical or chemical variation has an effect on the electrical properties of the IC, antenna, or how the IC connects to the antenna. And these electrical properties are seen as varying readability of the tag. What is the read range? What are the reading angles? On which material the tag works well? And so on. The variation is measured by looking at how much energy is needed to wake up the tag. There is always some variation, but when variation is too high, read ranges vary too much for the application. And that is a problem for the users. For example, instead of counting all of the items, the user would miss some of the items. The count would be inaccurate. From tag manufacturer's point of view, the quality testing takes initial investment, but that is needed to avoid the real big costs. If quality is not what customer expects, the results would be returned products, wasted materials and time, even lost customer relations. RFID is not different from other manufacturing from quality management point of view. You need to measure the quality and use the information to control the manufacturing process and that way improve or maintain the repeatability of the process. Okay, let's continue to encoding. First, let's look at RAIN RFID encoding. In the picture, there is a fairly typical retail label. There is the EPC logo at the lower left corner indicating that this label has RFID tag inside. The RFID antenna is visible at the lower side of the label. The picture was taken against the light, so you can see through the label. In retail, there is quite often also barcode and some printed information on the tag. The data on tags are controlled by two main standards advising on how the tag should be encoded. EPC tag data standard can be found free of charge online. It covers retail, logistic, and also about 30 other RFID use cases. There is also an ISO standard, or actually a group of standards. Those cover another 30 or so use cases. Together, these standards offer advice to pretty much any RFID application you can think of. A request label manufacturers often get is to encode same data to RFID as the printed data is. Let's look at this a bit more. In the label, there is human printable code and barcode. When the barcode reader reads the barcode, the output is same as the human readable format. But RFID is a bit more complicated. Shortly, the code in the IC, EPC code, is same as barcode with unique serial number. This applies to retail and most applications. In the IC, the information is as bits, ones and zeros. It is not easy to read or say what the string of bits exactly tells. Usually the code is displayed as hexadecimal. It is still the same bit string, but just four bits create one hexadecimal character. But even that doesn't look like the human readable code. And the code looks different even if it's converted to a decimal number. That is where the standards have a role. The standards describe how the same code is made. This picture is about breakdown of the EPC code corresponding with the EAN barcode. And in this breakdown, you can see that the same human readable format actually appears from the EPC code.
When the EPC code is cut to correct length pieces, and those pieces are then converted to a decimal number, the human readable or barcode content appears. I'll mention that there are also online tools that tell more about the item based on the human readable code or the barcode. Next, an example of NFC encoding. In many applications, there are fancier features such as data encryptions and other security measures. After all, the technology is used in payment cards, key cards, and travel tickets. But here is an easier example. A tag that can be tapped with the smartphone and the phone opens a website. The address can be printed in human-readable format, or it can be printed as machine-readable optical code, such as QR code in the picture. And when the tag memory is looked into in ASCII format, the web address is in the memory actually in human-readable format, at least almost. Other parts in the memory are instructions to smartphone to open a browser with this address. NFC standard includes plenty of data formats with same approach. Tap and send email with predefined content, tap and make call, or tap and send a text message, tap and connect to a Wi-Fi network, and so on. Idea in all of these is that the NFC tags gives instructions to smartphone to do some automated sequence of actions when the tag is tapped. Payments, tickets, and so on have their own specialties, and I don't discuss them here. SmartGraphics iConnect eMachine has different options for testing and encoding. It can pretty much do anything in smart label personalization, at least almost. It can be equipped with quality testing. It can be equipped with barcode and 2D code scanner. This is used in processes where same data is encoded. The system reads 2D code. The software turns this 2D code into a correct format of EPC or NFC code, and then the code is encoded to the tag. The machine can be equipped with encoding. It can be equipped with data verification, and it can be equipped with marker, which prints a dot to tags that are somehow wrong. Quality is not as specified, or data is incorrect. And all these processes can be for RAIN RFID or for NFC. Thank you, everybody. You can read more information from our website or email questions to us. And we will answer the questions also later today in the Q&A session. I will now give the control back to SmartGraphics. Thank you. Thank you very much, Teemu, for this presentation. Donc, n'hésitez pas à nous poser les questions concernant Voyantix dans le live chat ou bien en envoyant un message au numéro qui va s'afficher sur l'écran et nous allons les traduire pour Teemu qui va vous répondre en direct. Donc, maintenant, nous repassons dans le showroom de SmartGraphics pour la deuxième démo live de la journée qui est la démo de notre iConnect E. Rebonjour Dario. Rebonjour Iba, rebonjour à tous et... Rebienvenue dans notre showroom pour cette deuxième démonstration où nous allons passer à la partie traitement de données RFID. Cette partie, elle est assurée par la iConnect E. C'est une solution très compacte là aussi pour le contrôle et l'encodage des puces RFID et NFC. Elle a été développée sur la base des machines d'inspection compactes de la gamme SmartGraphics. La iConnect E peut travailler des bandes allant de 20 mm jusqu'à 250 mm de lèse. Elle est équipée d'un dérouleur 600 mm de diamètre, d'un guide bande de type ultrasonique pour les matières transparentes, d'un pupitre de commande tactile, d'une table de raccord pour le remplacement des mauvais, d'un groupe de refente
Alain Razois, et d'un rouleau d'appel en sortie, outfeed, cerveau motorisé, pour le contrôle de tension de bande. Elle a aussi, bien entendu, un enrouleur de diamètre 450 et elle peut recevoir toute une série d'équipements RFID et NFC, dont nous allons en voir certains dès maintenant. Elle peut être aussi équipée de systèmes d'inspection. Comme je le disais, c'est une machine qui est développée sur la base de machines de contrôle de la gamme SMAC Graphic, donc avec des prédispositions pour caméra 100%, avec des équipements tels que des rembobineurs de déchets ou des accumulateurs pour l'arrêt sur matière. L'iConnect E peut travailler en mouvement en rotatif, continu, tel que nous le voyons actuellement. En mouvement rotatif continu, le système RFID assure une production à haute vitesse, mais aussi elle permet de travailler en mode marche-arrêt pour permettre un temps de contact plus long là où l'application, notamment le NFC, le nécessite. Il est important de signaler que l'iConnect E a aussi la capacité de varier le sens de défilement de gauche à droite pour les équipements RFID, mais éventuellement de droite à gauche pour des applications d'inspection, notamment dans le domaine du pharma. Concernant les équipements RFID, tout d'abord, nous avons les cellules de détection d'étiquettes, une pour le mouvement alternatif et une pour le mouvement continu. Cette cellule détecte l'entrée dans le système d'une étiquette. La distance entre cette cellule et l'antenne de contrôle et l'antenne d'encodage et le marqueur est définie dans le système, le contrôleur, afin que tout le procédé suive une unique étiquette. Ensuite, nous avons un encodeur, car le système doit connaître la vitesse de la bande et donc la distance qu'elle parcourt. Lorsque cette distance entre la cellule et les différents appareils est associée avec la vitesse de la bande, nous savons que chaque équipement va agir au bon moment et sur la bonne étiquette. Donc pour commencer, la première antenne Snoop Pro connectée au système voyantique Tag Assurance pour la mesure de la qualité. Elle est spécialement conçue pour la production pour effectuer des tests rapides et fiables. Chaque étiquette RFID qui passe sur cette antenne est testée en fonction de critères bien spécifiques. Ce test prend quelques millièmes de seconde, ce qui nous permet de faire défiler la bande sur l'antenne et notamment d'accélérer la production en passant sur une production bobine-bobine. Mais le test qualité ne vérifie pas seulement si le RFID fonctionne ou pas. Comme nous l'avons vu dans la présentation de Voyantique, le test qualité doit vérifier des critères bien spécifiques. Il vérifie la qualité de la réponse du RFID, c'est-à-dire la plage de lecture et l'angle de lecture. Ici, nous voyons les résultats du test qualité où nous sommes à 96% de bons. Et cela, c'est nécessaire pour garantir une fonctionnalité complète du tag, c'est-à-dire que, notamment pendant les inventaires, aucun article ne soit omis, ou pour des applications NFC, qu'il n'y ait pas besoin d'une position trop particulière du smartphone, du téléphone, sur l'antenne NFC pour l'activer. Les antennes suivantes sont du système voyantique Assurance.
elles sont connectées à des encodeurs pour transférer des données à la mémoire de la puce et bien entendu vérifier la qualité de l'encodage. Donc une antenne pour l'écriture et une antenne pour la lecture. Pour que l'encodage fonctionne correctement, il faut que la donnée soit écrite sur le RFID correspondant. Chaque RFID contient un numéro de série, un TID ou un UID pour le NFC. Et si un RFID n'est pas bon, que la donnée spécifique ne soit pas encodée en aucun cas sur un autre RFID. Donc le système suit bien une étiquette unique depuis son entrée, et ce tout au long du procédé. Contrôle qualité, encodage et contrôle de l'encodage. Cette antenne Snoop Pro est un système breveté et je répète qui a été conçu pour la production en masse. Elle peut être adaptée au format du RFID et ce en changeant tout simplement des écrans qui sont magnétiques, donc qui viennent se coller en quelque sorte sur les antennes pour s'adapter au format du tag RFID. Les antennes, quant à elles, peuvent être déplacées dans la longueur pour s'adapter au pas de l'étiquette et dans la largeur pour s'adapter à la lèse. Et enfin, le système de marquage à jet d'encre. C'est le dernier passage du process qui prévoit de marquer l'étiquette si les tests effectués en précédence relèvent une défaillance du tag RFID, que ce soit dans la qualité de réponse ou dans la qualité de l'encodage. Il est possible aussi de demander l'arrêt sur étiquette mauvaise pour son remplacement grâce à la table de raccord. Et toutes ces fonctions sont gérées par une interface, par un contrôleur, qui permet de visualiser en temps réel le nombre d'étiquettes testées, aussi bien dans la qualité, nous voyons passer une étiquette, aussi bien dans l'encodage que dans le contrôle de l'encodage. Ces données sont spécifiques au job en cours ou peuvent être aussi générales et en tous les cas, elles font l'objet d'un rapport du système à la fin de la production. Le contrôleur aussi vérifie que toute étiquette RFID qui entre dans le système subisse un test de qualité, un contrôle de l'encodage et un encodage. Ce contrôleur est conçu pour les étiquettes RFID, mais aussi pour les étiquettes NFC. C'est-à-dire qu'il peut être configuré avec des antennes RFID, comme nous le voyons aujourd'hui, mais nous pouvons installer aussi des antennes NFC. La e-Connect-E peut recevoir jusqu'à 6 antennes. Le contrôleur s'assure que chaque étape est effectuée en quelques millisecondes, car chaque seconde est importante quand l'étiquette glisse sur l'antenne, et donc pour s'assurer que toutes les opérations soient effectuées, il inclut une interface opérateur, que nous voyons ici, mais aussi une interface pour configurer le système, c'est-à-dire activer ou désactiver certains appareils. Il est possible d'utiliser uniquement le tag surance pour tester la qualité. Et il est possible d'utiliser les trois systèmes en même temps. En tous les cas, le configurateur permet de décider à tout moment, en fonction des nécessités de la production, d'activer ou de désactiver certains appareils. Il est possible aussi de créer des recettes. Ces recettes sont sauvegardées dans le système en fonction du configurateur
et en fonction des jobs spécifiques. Donc, elles peuvent être rappelées à tout moment pour faciliter la mise en production. Et comme je le disais, le système prévoit le rapport de données où toutes les étiquettes passées dans la machine sont enregistrées et notamment le résultat des opérations de contrôle de test qualité sont eux aussi enregistrés. Ça permet de collecter des données et d'utiliser ces données pour analyser la production et donner de la valeur ajoutée aux clients. En conclusion, je dirais que la fabrication d'étiquettes RFID n'est pas vraiment différente de la fabrication d'étiquettes traditionnelles. Il s'agit de contrôle, il s'agit de qualité, il s'agit de rapport de production et il s'agit de donner de la valeur ajoutée. La Connect E, pour conclure cette présentation, représente aujourd'hui une solution économique et compacte pour permettre de maximiser la productivité et sécuriser la productivité sur les étiquettes RFID et NFC. Iba, je te remercie et je te repasse la main. Merci beaucoup, Dario. Maintenant, je vous présente Alexandre Mangrenier, CEO de WIT Group. Bonjour, Alexandre. Alors, j'ai du mal à vous entendre. Ah. Oui, là, je vous entends. Il va falloir parler un petit peu fort, je pense. Oui. Ok, là, je vous entends très bien. Sur mon téléphone. Du coup, je vous laisse présenter ce que WIT Group et Smag Graphics font ensemble pour le secteur du vin. Alors, on avait la complexité d'intégrer déjà, de trouver le bon emplacement sur les bouteilles pour y déposer un inlay ou un tag. Et puis, et donc la réflexion est venue avec Smag d'automatiser un traitement en amont des zones de conditionnement des vignobles, à savoir récupérer leur matière, l'étiquette principale principalement, et y intégrer d'ores et déjà la technologie, ainsi que la contrôler et l'encoder. On l'associe soit en amont, soit en aval sur leur ligne à un produit, à une identité produit. Donc voilà, sans Smag, ça n'aurait pas été possible. Et aujourd'hui, on a un outil qui permet de répondre vraiment à un démarrage de projet qui était presque indispensable pour réussir dans la filière viticole. Merci beaucoup, Alexandre. Du coup, maintenant, je vais passer une petite vidéo de présentation de l'activité de WIT Group. WITrack est né de la rencontre de deux mondes, les nouveaux besoins exprimés par la filière viticole et l'évolution des technologies. À partir de puces électroniques RFID et NFC, cette solution évolutive conjugue sécurité, traçabilité, logistique, gestion des commandes et des inventaires et communication digitale pour les bouteilles de vin. La technologie RFID est composée d'une antenne et d'une micropuce électronique. Ce marqueur s'insère soit de manière invisible sous l'étiquette ou la contre-étiquette, soit de manière visible sous forme d'une pastille adhésive et personnalisable. Le procédé de fabrication de la technologie WID se décompose en trois étapes. La première étape consiste à concevoir et fabriquer l'étiquette RFID en salle blanche. La deuxième est de l'intégrer au support client. Et en troisième et dernière étape, nous encodons et contrôlons le produit assemblé avant son conditionnement final. Cette approche permet une intégration technologique en amont. Nous travaillons notamment avec les imprimeurs d'étiquettes afin de fournir aux propriétés des bobines d'étiquettes prêtes à l'emploi. Le choix d'une pastille visible, c'est à la fois traçabilité, garantie pour notre distributeur, et puis pour son client final également, et de communication. Le kit unitaire s'intègre sur le convoyeur d'une étiqueteuse et permet d'identifier et contrôler les bouteilles de manière unitaire à l'issue de son processus d'habillage. Il permet notamment d'attribuer une identité à chaque bouteille en correspondance avec les caractéristiques d'une commande en cours. Il suffit simplement de sélectionner en fait, à l'intérieur d'un ordre de fabrication un vin que l'on souhaite étiqueter et associer avec une puce RFID et le process n'est pas consommateur de temps. Donc la solution est très facile à mettre en œuvre.
Dans le cas où une commande est terminée ou si un produit n'est pas référencé pour un client, l'éjecteur permet d'écarter la bouteille concernée. Le tunnel logistique a été conçu pour s'adapter aisément sur un convoyeur existant et permet d'identifier toutes les bouteilles au sein d'un conditionnement fermé en une seule opération de lecture. Sa capacité et sa précision de lecture permettent de vérifier la conformité absolue des lots, notamment en cas de panachage, ainsi que d'associer à chaque bouteille toutes les caractéristiques d'une commande. Pendant la production, il nous suffit juste de rentrer le numéro d'OF dans la machine qui, elle, reprend tout ce qui a été rentré en amont, le conditionnement, les centilisations, pour être sûr qu'on soit sur le bon produit et qui valide et enregistre. Une fois que tout cela est enregistré, on a une remontée d'informations directement sur notre outil à nous de gestion de stock, ce qui nous facilite le travail. Les bouteilles peuvent arriver dans le désordre, dans la caisse, ce qui est très intéressant notamment quand on papillote, mais également, surtout, c'est qu'on a une lecture à travers la caisse. Donc là, ça ouvre des possibilités extraordinaires par rapport à une palette, par rapport à une commande complète, aussi bien pour la traçabilité de la commande que pour la gestion des stocks. Si la caisse n'est pas conforme, n'est pas valide, un voyant rouge s'allume et donc ça nous permet de rectifier le tir. C'est encore une fois facile d'utilisation, c'est beaucoup plus fluide, c'est une sécurité supplémentaire, ça nous aide et ça aide toute l'équipe, ça nous permet de traiter chaque commande avec beaucoup plus de sérénité. Et donc ça c'est très important pour nous, ça nous permet vraiment d'étendre notre charge de travail et donc de nous libérer du temps lorsqu'on a beaucoup plus de travail dans les vignes. Grâce au Malogistique, l'identification de tous les conditionnements au sein d'une palette devient possible. Il permet de contrôler sa composition, notamment en cas de panachage, et d'attribuer les caractéristiques de la commande, et ce, pour une conformité absolue de vos expéditions. Le Malogistique, c'est une solution qu'on recherche depuis un certain temps, parce que c'est une solution qui va nous apporter non seulement de la fiabilité sur les commandes, sur la préparation de commandes, et sur le suivi après des envois. Nos puces électroniques sont compatibles en NFC, un protocole de lecture intégré dans tous les smartphones de dernière génération. Cela permet au consommateur d'identifier une bouteille de manière autonome et accéder à toutes les informations pertinentes renseignées par la propriété. L'application WID est très simple. Il suffit de prendre la bouteille sur laquelle se trouve la puce et d'avoir ensuite les informations principales, bien sûr, sur cette bouteille qui s'en situe ici. Mais le plus important, c'est que vous pouvez aussi avoir accès au site internet. Ainsi, WID œuvre auprès des acteurs de la filière viticole à contrer l'expansion de bouteilles frauduleuses, à fiabiliser les inventaires, à faciliter le contrôle des commandes, à optimiser la logistique, ainsi qu'à communiquer de manière ludique et pertinente auprès du consommateur. WID, créateur de solutions innovantes au service de la filière de la vigne et du vin. Merci beaucoup Alexandre pour cette vidéo de présentation de WID Group qui est super bien réalisée d'ailleurs, je trouve. Et du coup, cette vidéo-là marque la fin des présentations. Donc, c'est la fin du webinaire. C'est le début du coup de la session questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à nous poser vos questions dans le live chat ou en envoyant un message au numéro qui s'affiche sur l'écran. Nous allons retrouver l'ensemble de nos intervenants qui vont répondre à toutes vos questions. Nous en avons reçu quelques-unes dans le live chat. J'ai vu ça tout à l'heure. Hop. Première question pour Avery. Donc, le coût d'un tag RFID reste un frein dans l'agro. C'est pour cette raison que la RFID ne se développe que sur les articles chers. Où en est-on chez Avery du coût d'un inlay EPC Gen 2, par exemple? Donc, je ferai deux réponses. Il y a déjà, avec le coût actuel de la technologie, qui, de par les volumes, est descendu largement en dessous des 10 cents, et le chiffre magique, c'est autour des 5 cents. Beaucoup d'applications dans l'agroalimentaire, et au sens large, qui démarrent. Il est vrai qu'il reste toujours, pour certains use cases, une problématique associée au coût. Donc il y a des nouvelles technologies qui arrivent, notamment au niveau des puces, pour avoir des puces low cost qui sont plus économiques, mais aussi, pour être clair, qui ne font pas autant que les puces actuelles. Et donc, ceci va permettre d'ouvrir des nouveaux use cases
Je dois avouer que pour l'instant, la priorité, ça a été plus de les pousser sur d'autres segments de marché. Mais c'est une commercialisation qui sera prévue sur la fin de 2021 avec une technologie un petit peu différente. Mais j'insiste aujourd'hui déjà avec la structure de coûts et les volumes de façon générale qui ont fortement augmenté, toute industrie confondue. Nous avons de plus en plus de use cases dans l'agro au sens large qui tournent avec les coûts actuels et le chiffre, encore une fois, c'est autour des 5 cents. Merci Benoît pour cette réponse. Alors, prochaine question. Quel est le montant de départ d'investissement pour l'e-Connect C? Ton micro, Dario. Dario, on ne t'entend pas. On t'entend toujours pas, oui. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Là, oui. Seigneur. Désolé. Donc, effectivement, c'est une question pour SMAG. Disons qu'un coût de départ, pour faire un chiffre rond, se situe aux alentours de 90 000 euros pour une e-Connect C. Donc, on parle d'insertion de tags RFID sur l'étiquette. Ensuite, effectivement, il va y avoir toute une série d'options qui sont disponibles, hein, qu'on a évoquées, comme le contrôle qualité du tag, comme des solutions de converting multipiste, donc avec double rembobineur. Mais disons, voilà, pour donner vraiment un chiffre intéressant et facilement compréhensible, 90 000 euros représente une base d'investissement utile sur la e-Connect C. Ok, merci Dario. Prochaine question, quel call pour ces applications? Alors, ça peut être une question pour SMAG ou une question pour Avery. Disons que c'est vrai que c'est une bonne question parce que nous n'avons pas spécifié, j'en suis désolé. Nous traitons du wet inlay, c'est-à-dire que nous traitons des puces RFID, des tags adhésifs. Donc, en termes d'insertion, le tag va être collé sur la glacine. Donc, il a lui-même un support, comme on l'a vu sur les démonstrations, et donc il va être collé sur la glacine. Il n'y a pas de rajout d'adhésif de notre part, comme ça peut être le cas sur le dry inlay où effectivement on va prendre des puces sans support et elles devront être collées ensuite sur l'étiquette. Après, je disais que c'était une question qui pouvait être aussi pour Avery. Si c'est un type de colle acrylique ou autre sur les puces. Je peux rajouter effectivement la partie. Donc, comme Dario expliquait, les tags sont typiquement fournis sous la forme de wet. Mais quand on parle de wet, on utilise en général un adhésif industriel. Par exemple, si je vous donne les applications dans le pharma, de par la compliance, il y a souvent besoin d'utiliser des adhésifs particuliers, des adhésifs qui sont des adhésifs faible migration. Donc là, avec le support de l'imprimeur, on peut transformer un dry inlay en wet avec le bon adhésif pour des applications bien particulières. Et ce sont des choses qui se font maintenant de façon quotidienne pour la pharma. Mais pour des applications plus classiques, plus industrielles, typiquement l'adhésif qui est offert sur les supports wet inlay, qui est un adhésif industriel qui a un accord à l'alimentaire, est un adhésif qui marche dans l'essentiel des applications. Mais s'il y a besoin de customiser, c'est possible grâce au travail de l'imprimeur qui peut adhésiver avec le bon transfer tape. Et après, s'il y a du volume, nous, à Avery Dennison, on peut faire un wet natif directement avec le bon adhésif. Il faut qu'il y ait simplement l'échelle pour qu'on puisse le faire. Merci beaucoup. Donc, j'ai reçu une question sur WhatsApp, enfin plusieurs questions de la même personne. Quelle est la situation du marché NFC? Est-ce que c'est une bonne solution en marketing et de communication? Et quel est le taux de garantie de livraison de bonnes puces aussi bien en NFC qu'en RFID? Donc, j'imagine, je vais peut-être commencer encore du côté de Avery Dennison. Donc oui, le NFC semble promis un beau futur. Il faut admettre qu'aujourd'hui, en termes de niveau de vente d'unités, c'est bien plus petit
que le tag UHF, mais il y a beaucoup, beaucoup d'intérêt, et encore une fois, tout ce qui se passe autour de la pandémie est en train d'accélérer les choses, puisque c'est le seul moyen aujourd'hui pour pouvoir se connecter au consommateur ou au patient qui a un lecteur, son téléphone, qui marche simplement avec du NFC. Donc, clairement, nous avons fait des investissements. C'est pour ça qu'on a fait l'investissement dans SmartTrack. On a d'autres technologies qui arrivent pour réduire les coûts d'entrée du NFC. Mais oui, on y croit et on a beaucoup de pilotes au niveau de l'application de tous les jours des FMCG dans ce sens-là. Donc oui, on y croit fortement. Et d'un point de vue communication et marketing, je pense qu'Alexandre pourrait peut-être répondre à la question, même si chez WeedGroup, on utilise plus la RFID que le NFC. Vous pensez que c'est une bonne solution pour communiquer les tags RFID ? Je l'ai toujours présenté comme la cerise sur le gâteau. Mais je pense que c'était aussi lié à la filière viticole, où la communication est clairement un autre monde pour eux. Surtout avec les clients prestigieux avec lesquels on traitait, qui ne souhaitaient pas communiquer parce qu'ils étaient plutôt à se dire « si je communique, c'est que j'en ai besoin ». Donc ça n'a pas été simple, mais ça fait plus de 8 ans et j'y crois, et j'ai bien fait d'y croire parce que en fait, je crois qu'il fallait seulement un profil communication dans la société pour justement leur faire croire. Et là, tout s'est débloqué vraiment en fin d'année. Alors, probablement lié à et je remercie encore les médias par toute la communication, le digital, le numérique qui a occupé nos matinées à la radio, à la télé, le midi, le soir. Et je pense que tout le monde a été sensibilisé à un moment donné prendre le virage numérique. Donc, ça devient une activité très forte dans l'entreprise. Et qui a, je pense, de beaux jours encore devant elle. Donc oui, je pense que c'est une bonne technologie. Si on peut se comparer à toutes les autres technologies, quelles qu'elles soient, je pense qu'en usage, il a été énormément favorisé avec le paiement sans contact. Même si la NFC n'est pas encore connue de tous, je m'appuierai vraiment sur l'usage où je pense que on est sur quelque chose de très simple et accessible pour tout type de population d'utilisateurs. Donc, je pense que ça s'est accéléré chez nous, dans notre filière, mais il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas sur bien d'autres secteurs. Hein. Super, merci beaucoup Alexandre pour ton feedback. Alors, au niveau des commentaires, je ne vois pas d'autres questions. Je vais attendre encore quelques instants pour voir si j'en reçois d'autres sur mon téléphone. Hop, alors là, j'ai reçu une question. Bonjour, sur la e-contact, pouvez-vous donner quelques explications sur le défilement de la bande sans contact ni frottement ? Oui, bien sûr. C'est une technologie qui prévoit tout simplement de transporter la bande par des rouleaux, par des tambours aspirants. Donc en fait, on va tenir la bande non pas par un embarrage, mais par aspiration. Et donc, quand le rouleau va tourner, du fait de l'aspiration et donc de la bande qui est collée en quelque sorte à ce tambour, elle va avancer, hein, bien entendu. Donc, ensuite, nous avons des bacs à boucle qui vont permettre de recevoir l'excès de matière, hein, donc en créant une boucle. Et donc, tout au long de la machine, nous avons cette alternance entre les rouleaux, les tambours aspirants qui tirent la matière grâce à l'aspiration. Et ensuite, d'autres systèmes d'aspiration vont plaquer la matière, notamment sur les groupes sérigraphiques, pour la tenir en place et passer la racle et l'encre. Et ce, tout au long de la machine. Donc, c'est vraiment un système qui ne marche pas par traction, et puis comme on l'a vu sur les e-connect où il y a des rouleaux presseurs donc qui vont tirer la matière, mais là on est sur des tambours aspirants, donc on ne pousse pas la matière par dessus pour la plaquer contre le tambour, on l'aspire par en dessous, et donc de ce fait on ne la touche pas sur la partie supérieure.
Alors, j'ai une autre question. Est-ce que la e-Connect E vient avec le système Voyantic et est-ce qu'il est supporté en français? Alors, la e-Connect E, en fonction du projet, des besoins, est livrée, bien entendu, avec le système Voyantic. Il y a une étude au préalable qui est menée, je dirais, à quatre mains aussi avec Voyantic, qui nous supporte beaucoup sur ce plan. L'interface, aujourd'hui, elle est en cours de définition pour le français. Elle existe déjà dans plusieurs autres langues. On va dire que l'interface anglaise est la plus commune. Mais sur demande, l'interface française est effectuée. Et puis, concernant le service, bien entendu, SMAG, c'est le premier point de contact. Mais Voyantic, aujourd'hui, nous épaule dans le service. Il se connecte aux machines. Il réalise aussi les installations et les démarrages des systèmes chez les clients. Nous avons fait d'ailleurs des formations à distance où le personnel SMAG était sur place et le personnel Voyantic était connecté à la machine pour fournir la formation aux opérateurs. Merci Dario. On attend encore quelques petites minutes pour voir s'il y a d'autres questions qui arrivent. Alors, il me semble que nous n'avons plus d'autres questions. Donc, au cas où vous êtes en train de regarder ce webinaire en replay, n'hésitez pas à nous poser vos questions, à envoyer un petit message au numéro qui s'affiche à l'écran et nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Sur ce, je remercie toutes les personnes qui étaient en train de regarder ce webinaire et tous nos speakers. Merci beaucoup à Alexandre, Benoît et Temu. Merci à Dario aussi. Merci à toi, Ida. De nous avoir fait les démos en live. Et surtout, je vous souhaite une excellente soirée et on se retrouve pour les sessions suivantes de la Connected Online. Donc, ce n'est pas encore fini, encore la journée de demain où on a 3 sessions de webinaire. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.